Bonjour, Kevin Dussault de Brûleur de Loup dans Powerplay. J'ai fait que du hockey depuis l'âge de 3 ans et demi. Il y a ma mère qui faisait du patinage artistique et mon père qui faisait du hockey. Donc au début, j'ai beaucoup suivi mon père dans sa carrière et puis après, il est passé entraîneur. Donc, pendant qu'il coachait à Angers, j'ai été jouer 3 ans à Rouen. Et après, il m'avait proposé de revenir jouer pour lui à Reims. Donc je suis revenu jouer pour lui à Reims en Division 1. Après, il était beaucoup plus strict avec moi qu'avec les autres. Mais c'était pour mon bien, c'était pour que je continue à progresser. Donc ça a été. On dit souvent que j'ai un bon lancer. Avec Jeff, on a fait un travail beaucoup sur mes lancers, mettre moins de force et cadrer le lancer. Et ce qui est vraiment important pour porter le danger sur la case adverse. Je sais que je suis un joueur qui aime bien mettre des mises en échec. Donc si dans les coins, je touche à personne, c'est un peu mon défaut. Si je touche à personne, je suis pas bon. Où je ne sers pas à grand chose, alors qu'il faut que je joue physique, que je joue l'homme. Donc il faut que défensivement je sois solide pour pouvoir après apporter offensivement. À côté de toi, dans le vestiaire, t'as fait du capitaine notamment, ouais. Et un gardien sur l'autre côté. Ouais, Antoine Monvalo. On discute un peu de tout, même avec Antoine, qui est assez timide, je commence à pouvoir parler un peu plus avec lui. On commence à avoir des sujets un peu plus de discussion qu'au début de l'année, il était vraiment réservé. C'est à force de le connaître qu'on avance dans la saison. Et puis après, avec Julien, on parle un peu de tout. On n'a que 2 ans d'écart, donc au niveau de l'âge, c'est pas non plus très très très, très loin. Tu me suis là? Je te suis. Moi, j'ai pour commencer un shaker. Ensuite, une gourde, mon shampoing, des ciseaux. Et puis. La petite carte de Francis Derosier pour me rappeler qu'il vient de Reims avec mon père, c'est important. Merci Douce. Ouais, petite boîte. Pas grand chose dedans, ça suffit très bien. Ouais, elle est toujours rangée, après j'ai une petite sacoche que j'emmène en déplacement. Ton ciseau te sert pour quoi? Pour couper le tape au bout de ma crosse. C'est tout. Pas une petite couture comme peuvent faire certains? Non, je suis pas couturier encore. Et en plus de son travail défensif, Kevin enregistre 9 points après 13 journées de championnat. 2 buts, 7 passes. L'an dernier, 4 points en 26 matchs. Kevin confirme son potentiel, lui, pour sa deuxième saison à Grenoble? Oui, pour l'instant, il nous apporte énormément sur le côté offensif, même défensivement. Et de plus en plus, il prend des rôles, des joueurs en désavantage numérique, on l'utilise un petit peu plus. C'est un joueur qui a énormément de potentiel, puis il faut qu'il continue à bosser.